Bonsoir, c'est Jean-Michel Jarre. Vous écoutez France Inter, votre radio, mais pour l'heure qui vient, ce sera aussi ma radio. Alors, je vais vous proposer une programmation qui est un petit peu décalée, je pense, c'est un peu le but du jeu aussi. Et je vais commencer par un morceau qui me tient très à cœur, qui est un morceau de Pete Townshend des Who, interprété par The Who, qui s'appelle Baba O'Reilly. Alors, fermez les yeux, c'est la radio de Jean-Michel Jarre. Alors en fait, je pourrais faire toute une émission simplement sur ce titre, pour plein de raisons. Donc je vais essayer évidemment de faire beaucoup plus court.
Baba O'Reilly, c'est d'abord le premier morceau dans le rock où on intègre le synthé. Et en cela, comme on le sait, Pete Townshend est un des grands innovateurs du rock, puisqu'en fait, dans ce morceau, on entend finalement toute son innovation dans ce qu'il va apporter dans le rock et son côté visionnaire. Il y a à la fois donc l'intégration du synthé, avec en plus un hommage déguisé à Terry Riley dans le titre, Baby O'Reilly, qui était un des premiers explorateurs du minimalisme, donc des cellules répétitives comme ça. Ensuite, le fait qu'on a dans ce morceau, déjà en petit, le concept de l'opéra rock, c'est-à-dire d'un morceau qui en fait se décompose en plein de parties différentes, qui se termine dans cette espèce de gigue un peu apocalyptique. Donc voilà, je m'arrête là, mais je pourrais continuer encore pendant à peu près une heure sur ce morceau, d'autant plus que j'ai eu la chance, étant un fan absolu des Who, de pouvoir travailler à l'époque sur l'album Electronica il y a quelques années, sur un morceau qui s'appelle Travelator, qui est dans Electronica 1. Il y a encore deux autres morceaux inédits qu'on sortira peut-être un jour. Alors maintenant, je voudrais passer au deuxième morceau de ma liste, avec un morceau de John Lennon, d'un album mythique qui est Imagine, mais d'un morceau qu'on connaît moins et qui est pourtant extrêmement intéressant, qui est pour moi un des morceaux les plus intéressants de John Lennon, qui s'appelle « How Do You Sleep ?».
Un slip j'ai choisi pour l'originalité mélodique de la production et surtout le riff de cordes. Les cordes, la manière dont Phil Spector avec John Lennon utilise les cordes dans cet album est absolument incroyable, d'arriver à faire groover des cordes comme on fait groover une batterie ou qu'on le ferait avec une basse ou avec une guitare électrique, avec cette espèce de côté un peu limite, un peu oriental, un peu entêtant. Et finalement, c'est un album hanté, c'est un morceau hanté par la présence de son pote avec qui il s'entend plus. Donc il a réussi à faire passer ce côté hanté, ce côté habité et lourd à travers cette espèce de riff de cordes qui, pour moi, me touche à chaque fois que je l'écoute. Le prochain morceau, c'est un morceau qui me touche évidemment à plusieurs égards, puisqu'il s'agit d'une reprise des Paradis perdus que j'ai donc écrit avec Christophe. Pourquoi j'ai choisi celle-là ? C'est parce que plusieurs choses. D'abord, le fait de prendre un morceau et d'en faire autre chose. C'est pas un remix, c'est le fait de revisiter une chanson et d'y apporter aussi sa propre touche, avec le fait qu'en plus, il y a l'intégration d'un autre artiste dont je suis un très grand admirateur comme producteur aussi, c'est Kanye West, puisqu'en fait, le morceau se divise entre une partie Kanye West et une partie Christophe et moi, je dirais. Et donc, c'est un morceau extrêmement riche, qui va bien avec l'appellation de Christine, comme elle s'appelait à l'époque, c'est-à-dire à la fois Christine and the Queens. On est sur France Inter dans Ma Radio, celle de Jean-Michel Jarre. Christine and the Queens, Paradis perdu. Le morceau suivant, c'est un morceau que j'aime bien faire découvrir à mes amis, parce que c'est un morceau assez peu connu, d'un groupe encore moins connu qui s'appelle White Noise.
et un album qui s'appelle An Electric Storm, qui est sorti en 69, avec un morceau qui s'appelle Love Without Sound, particulièrement, qui ouvre l'album. Et en fait, c'est un groupe de musique expérimentale qui montre à quel point les recherches électroniques à l'époque étaient influencées par cette maison, par le groupe de recherche musicale, par toutes les recherches qui ont été faites en termes d'idées que cette idée assez surréaliste du fait qu'on peut mélanger un son d'oiseau avec une clarinette ou un son de machine à laver avec des percussions, et de ce que sont les racines françaises de la musique électroacoustique, électronique. Et en fait, cet album est vraiment un album qui est à la fois, c'est ce que j'aime, qui est un pont, une passerelle exacte entre l'expérimentation et la pop, et qui a été produit par une fille qui s'appelle Delia Derbyshire, qui était ingénieure du son au BBC Lab, et avec David Vorhaus et Brian Hodgson, mais Delia Derbyshire était un peu la Pierre Schaeffer ou la Suzanne Ciani de la BBC, et ça donne un album tout à fait extraordinaire, et ce morceau l'est tout à fait. Je vous laisse l'écouter, Love Without Sound, White Noise. Parfait équilibre entre la musique concrète et la pop. Le prochain morceau qui je pense va très très bien après ce Love Without Sound de White Noise, c'est un morceau de Flavien Berger, M'a dit la nuit. Et je dois dire que je suis un fan inconditionnel de Flavien Berger. Il est vraiment encore aussi un défricheur sonore. Je n'en dis pas plus. Écoutons M'a dit la nuit par Flavien Berger. Vous écoutez bien France Inter, enfin presque, car pour l'instant, c'est ma radio, celle de Jean-Michel Jarre. On m'a dit, on ne s'entend pas, alors je lis sur tes lèvres. Tout s'éclaire quand tu es là, tes absences sont mes ténèbres. On m'a dit, refaisons la paix, on parle en feu de Bengale. Sans que tes sandales.
Alors, on va passer en apparence dans un univers qui est complètement différent, puisque la prochaine chanson est une chanson d'Édith Piaf. Et pourquoi je voulais intégrer Édith Piaf dans cette liste ? C'est parce qu'en fait, finalement, tous les morceaux que j'ai choisis sont des morceaux qui ont quelque chose de particulier, un rapport au son. Et en fait, les chanteurs qui me touchent le plus sont des chanteurs qui, justement, privilégient pratiquement le son et leur son, en tant qu'interprète, au respect de la mélodie. C'est-à-dire que je pense que ceux qui nous donnent le plus le frisson sont les gens qui chantent pas tout à fait juste et pas tout à fait dans le tempo. Et je me souviens, j'ai eu la chance d'avoir, pour l'anniversaire de mes 8 ans, j'étais dans un club de jazz que ma mère connaissait la propriétaire, et quand elle discutait avec sa copine, je descendais dans la cave, et en fait, il y avait des gens que j'avais aucune idée qui c'était, mais enfin, il y avait des gens comme Chet Baker ou Don Cherry, et c'était le jour de mon anniversaire, Chet Baker m'assoit sur le piano droit, et il joue de la trompette à 50 cm de mon corps, de ma poitrine, et en fait, c'est ma première émotion physique, mon premier ressenti physique du son, de l'impact du son sur le corps, sur les os, je dirais. Et en fait, il me dit à ce moment-là un truc qui m'est toujours resté, c'est qu'il me dit, tu vois, en fait, la mélodie, c'est toujours ce qu'il y a de plus important, mais ce qui est encore plus important, c'est de s'en échapper. Et Édith Piaf s'échappe des mélodies pour essayer de nous toucher d'une autre manière à travers son vécu, à travers le fait que, justement, elle déraille. Et c'est ce déraillement-là qui me touche énormément dans une chanson comme La Foule. Donc, La Foule par Édith Piaf. La ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné, que je n'ai jamais retrouvé. Le prochain morceau que j'ai choisi, c'est un morceau de Massive Attack. On pourrait aussi tout prendre de Massive Attack pour moi. Et j'ai eu la chance de travailler pour Electronica avec Robert Del Naja. Et je lui disais à quel point moi je suis frappé par le fait que Massive Attack et Robert Del Naja, qui est le leader au fond de Massive Attack, cette espèce de possibilité qu'ils ont et de talent à créer de l'espace. C'est-à-dire que
ce qui fait l'originalité de la production et l'impact de la production de Massive Attack, c'est l'espace entre les notes, l'espace entre les sons dans l'arrangement. C'est quelque chose qui, comme le disent les Chinois, ce qui est important dans la musique, c'est l'espace entre les notes, le silence entre les notes. Mais ce qu'il y a vraiment de particulier, en même temps, c'est cette espèce d'oxymore, au fond, entre une sorte de groove assez positif, assez bienveillant, qui cache en fait une sorte de tristesse souterraine. Et Paradise Circus est en ce sens un très bon exemple de ce que je viens de dire. It's unfortunate that when we feel a star, Paradise Circus, Massive Attack. Ensuite, je voudrais partager avec vous une chanson de Gainsbourg qui n'est pas celle qu'on entend d'habitude nécessairement, qui s'appelle Requiem pour un con, qui a été composée par Gainsbourg pour le film Le Pacha de Georges Lautner. Et ce que ça a de particulier, ce morceau, c'est qu'en fait, c'est en fait du slam avant la lettre, du talk-over qu'il a inventé. En fait, c'est un peu le big bang du rap, d'une certaine manière, c'est-à-dire de pouvoir parler sur une bande-son. Et la bande-son, ce qu'elle a d'original, c'est que c'est simplement un riff de batterie que lui a écrit, qui est devenu un classique immédiat pour tous les batteurs dans le monde, parce que c'est un riff qui est un tube, quoi. C'est un tube de batteur, quoi. Le riff de batterie de Requiem pour un con, ça pourrait être une loupe électro, puisque c'est assez droit. Et en fait, il y a deux éléments, la voix de Serge et la rythmique. Écoute les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non ? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non ?
semblable à toi-même. Pauvre con, voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là, que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem. Pour un con, quoi tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même. Pauvre con. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même. Requiem pour un con, Serge Gainsbourg. Le prochain morceau, finalement, on reste dans le minimalisme avec Bad Guy de Billie Eilish, qui est un morceau qui m'a immédiatement époustouflé quand je l'ai écouté sur le plan du son, encore une fois, de la production, c'est-à-dire un son fait dans une chambre à coucher avec un frère et une sœur, avec très très peu de moyens, quelques synthés, et puis sa voix hyper produite et qui donne cette espèce de trip sonore qui emporte les mélodies, qui emporte les textes. C'est avant tout un son, ce qui montre que il n'y a que 12 notes dans la musique occidentale. Il y a des millions de chansons qui ont été faites, chansons et musique, parce que les chansons, c'est un secteur de la musique et pas l'inverse. Et pourtant, à chaque fois, un artiste arrive à surprendre et à inventer quelque chose de complètement neuf. Et Bad Guy, pour moi, en est un exemple récent, absolument époustouflant. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. When you get mad, I
guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Alors je disais tout à l'heure que, au fond, on a tendance depuis les années 60 à penser que la musique instrumentale serait une sorte de niche par rapport à la chanson. Il ne faut pas oublier que la chanson, c'est juste un secteur de la musique. Dans l'histoire de la musique, c'est d'abord la musique instrumentale et la chanson en étant un secteur important, bien entendu. Il ne s'agit pas de faire de jugement de valeur ni l'un par rapport à l'autre. Mais c'est la raison pour laquelle je voulais aussi, étant moi-même un contributeur à la musique instrumentale, ne pas laisser de côté ce genre. Évidemment, un des terrains de jeu des compositeurs, c'est la musique de film. Et parmi eux, j'ai toujours aimé beaucoup ce que fait Cliff Martinez. Il utilise un peu le paradoxe, j'allais dire l'oxymore, en matière musicale, c'est-à-dire de faire l'inverse de la musique illustrative, c'est-à-dire de toute la musique hollywoodienne qui est basée sur le fait du « more is more », et de faire en fait quand quelqu'un ouvre une porte qu'il y a toujours 48 contrebasses qui se cachent derrière, c'est au contraire de faire l'inverse, c'est-à-dire de composer des drones, des musiques presque ambiantes par rapport à des scènes d'action incroyables. On se souvient par exemple de la musique incroyable de Trafic, Soderbergh, où en fait il y a des scènes d'action, de violence même, avec juste un drone, juste une musique d'ambiance. Et en fait, un des chefs-d'œuvre, on peut dire, qu'il a pu commettre pour une autre série de télévision qui est aussi un chef-d'œuvre que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Too Old to Die Young, de Nicholas Winding Refn, qui en fait a été connu pour Drive. Et cette musique, pour moi, résume à elle seule ce que devrait être aujourd'hui beaucoup plus la musique de film de demain. Starlight Cantina par Cliff Martinez, qui est tiré de la BO de la série Too Old to Die Young, que je recommande à tout le monde. C'est absolument incroyable, même sur le plan visuel. On pourrait faire des arrêts sur image sur chaque scène et s'en faire un tableau. Le prochain morceau est un morceau qui me tient très à cœur, de David Bowie, qui n'est pas le morceau le plus connu. Il s'appelle I'm Deranged. Et puisqu'on est justement dans la trip sonore depuis le début de cette émission, que je suis heureux de partager avec vous, I'm Deranged est très intéressant pour moi à plusieurs niveaux. D'abord avec la participation de Brian Eno, avec qui en plus j'ai eu la chance de travailler très très récemment pour une extension, je dirais, d'un des morceaux d'Oxymore de mon nouvel album Epica, où il a fait, c'est même pas un remix, je dis bien une extension, hyper intéressante. Et pour en revenir à David Bowie et donc aux collaborations diverses, il y a un membre très important du groupe de David Bowie à cette époque-là, au moment de ce morceau, de l'album Outside, qui s'appelle Reeve Gabrels. Et Reeve Gabrels a cette qualité absolument incroyable que David Bowie a explorée, de
avec sa guitare, de créer un mur sonore. Il y a très peu de groupes qui font ça. Fuck Buttons, qui est un groupe un peu moins connu que j'aurais pu choisir aussi, a cette qualité, d'un seul coup, de vous projeter en live, mais aussi quand on l'écoute au casque ou sur des haut-parleurs, d'avoir cette espèce de mur en 2D qui vous arrive sur la tête et qui est absolument incroyable et qui donne cette espèce de côté apocalyptique qui est absolument unique dans l'album Outside. Et je dirais que c'est du David Lynch sonore. Et donc, je suis très heureux de partager avec vous ce titre que j'aime beaucoup, I'm Deranged, par David Bowie. Vous êtes bien sur France Inter, dans la radio de Jean-Michel Jarre. Secrets travel. I start to believe if I were to leave, pink sky, the man chains his hands held high, a cruise beyond, cruise me, babe. A blonde leaf beyond, beyond, beyond. No return. Alors, on a presque terminé ce moment de partage avec vous. J'en suis vraiment heureux. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Et on va se quitter donc sur un dernier morceau qui résume beaucoup de choses, à la fois de mon choix et puis de mon propre trajet. C'est un morceau de Pierre-Henri avec Michel Colombier, qui s'appelle Psyché Rock, avec un remix de Fatboy Slim.
Évidemment, ce morceau me touche à plein d'égards, puisque mon dernier album, Oxymore, est un hommage à Pierre-Henri, est donc le fondateur avec Pierre Schaeffer de la musique concrète, la musique électroacoustique, qui est une fois encore, on ne le dira jamais assez, né dans cette maison, et que c'est un hommage double au fond à l'importance que cette maison, le service public et Radio France, a en matière de défrichage sur le plan sonore. Pierre-Henri a été un des premiers à s'intéresser à la spatialisation. Pierre Schaeffer a effectivement finalement défini ici, dans ces studios, ce qu'aujourd'hui est la musique et la manière dont on fabrique la musique aujourd'hui, puisque tout le monde intègre des effets sonores dans sa musique, est un peu sound designer quand compose, quand il produit de la musique, et c'est né ici, et c'est bon de le rappeler. Et donc Pierre-Henri devait travailler ensemble, et puis il est tombé malade, il est décédé en 2017, et puis étant en contact avec sa femme, sa veuve, Isabelle Varnier, que je salue ici au micro de France Inter, m'a dit que Pierre m'avait laissé des sons pour que je fasse quelque chose un jour, à titre posthume au fond. Et donc j'étais en pleine tournée, et quand j'ai commencé à travailler sur ce nouveau projet d'album, Oxymore, je me suis dit que c'était le bon moment d'intégrer ces sons, puisque j'ai mixé et produit cet album ici dans la maison avec Hervé Desjardins, le grand Manitou du studio Innovation de Radio France, et que finalement ce morceau Psyché Rock réunit absolument toute cette heure pour moi, à la fois le côté rock, le pont entre le rock et la musique expérimentale, le fait de cet hommage aussi aux racines de la musique électronique française. Et puis aussi le rapport au ballet, puisque c'est un morceau qui a été fait pour le ballet de Maurice Béjart, La Messe pour le temps présent. Et donc un morceau qui finalement réunit hier et demain. Psyché Rock par Fatboy Slim en remix.
Voilà, c'était la radio de Jean-Michel Jarre. Merci à France Inter de m'avoir laissé la platine, et le studio aussi. Donc je vous rends les clés. À bientôt.